Marcelo, tu es satisfait? Directeur commercial zone euro, c'est pas mal. Non. C'est de la merde. T'es qu'un citoyen. On peut faire plus. On peut être plus. On aspire à la grandeur, la richesse, mon salon. On peut y arriver. Regarde-moi. Oui, c'est ça. Observe-moi bien, Marcelo. Tu vois. Imagine ce que je peux t'apporter. Mais il va falloir le boucher, ta putain de fiant. Sinon, t'auras aucun résultat. Fini d'être sympa. On va les gravir à l'échelon. Pas grâce de trahir, tomber ou blesser. Pense à ton cul et utilise ces autres insectes. Et tu viendras pédéger. Mon salaud. Bien, tout le monde est réuni. Je sais que vous attendiez cette réunion depuis longtemps. C'est grâce à vous, cadre de cette société, que notre entreprise va continuer son développement et prendre de nouvelles parts de marché. Sachez que vous tous ici présents êtes sur ma shortlist pour prendre la succession à la tête de cette société. Je compte sur vous pour que cette information vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Bonjour, nouvelle réunion. Ah, c'est vrai, Monsieur Joie n'est plus là. Malheureusement pour lui, ses dossiers pédopornographiques ont fuité sur Internet. Quelle perte pour nous. On ne devrait pas les aider. Occupez-vous simplement de faire un bon article. Bonjour, nouvelle réunion. Sans Monsieur Baudot. Le pauvre a subi une enquête journalistique sur ses relations avec ses collègues féminines. Bon, j'étais déjà au courant, mais malheureusement pas le grand public. Enchanté, Desmoulins. Quel est le motif de ta présence? Oh, rien de spécial. Je voulais juste discuter un peu avec quelqu'un qui me ressemble. Oh, mais comme je te comprends! Oh, que les employés peuvent être barbants avec leurs histoires de week-end, d'occupation, ou leur petit bonheur simple. Mais nous ne sommes pas comme eux. Nous aspirons à bien plus. Ah, tout à fait d'accord. Asseyez-vous. Mais il n'y a pas de chaise. Et il y a toujours de quoi s'asseoir. Mais qu'est-ce donc? Oh, ça! C'est incroyable, n'est-ce pas? Fantasmagorique, ou même ecclésiastique, je dirais même hexacodramatique, n'est-ce pas? C'est un modèle de luxe, n'est-ce pas? C'est
La plus belle, n'est-ce pas? La plus puissante, n'est-ce pas? Et ses formes, oh, n'est-ce pas? Tu as cette merveille en ta possession? Pas encore. C'est bien pour cela que je travaille. Pour m'acheter cette petite pépite de bonheur, n'est-ce pas? Une voiture comme ça rendrait mon voyage à New York bien plus agréable. Déjà fait. Comment ça? J'ai déjà visité New York. Ah, très bien. Cela signifie que nous avons tous les deux de très bons goûts. Non, non. C'était pour un voyage d'affaires. Il faudrait vraiment être un glandu pour vouloir y aller de son plein gré. Oui, bien sûr. J'y vais à l'évidence pour les affaires. Oh, quel projet allez-vous présenter? Et vous, avez-vous visité la Suède? Bien sûr. L'Égypte? Évidemment. Le Japon? Pays très agréable. D'ailleurs, dans tous mes voyages, je réside dans les meilleurs hôtels qu'il y ait. Mais sinon, quel intérêt? Je vois que nous avons fait les mêmes voyages. Êtes-vous allé en Espagne? Oui. Quel monument êtes-vous allé visiter? La tour de Pise. Moi aussi! Que serait l'Espagne sans sa tour de Pise? Et vous, êtes-vous allé en Italie? Oh que oui! J'ai visité Madrid! Meilleur café colombien. La voiture, les voyages et le café. T'es parfait en fait. Comment je vais faire pour te compromettre? Attends, tu déconnes? T'as vu les petits voyages que tu fais? Ta petite coupe, ton petit costume et ta classe naturelle? Comment je fais pour éliminer un génie comme toi? Bon. Est-ce qu'on se latterait pas la gueule à coup de café, Colombo? Tu vas voir que les petits employés de merde comme toi, c'est pas ma tasse de thé. Il fait beau aujourd'hui. En effet. Vous voulez un de ces nouveaux cafés colombiens? Oh non, vous en faites pas. Le rhum arrangé me va très bien. Vous savez, je suis très embêté. Monsieur Vers, un de nos derniers cadres, a eu un dramatique accident du travail. Mais réjouissez-vous! Vous êtes le dernier sur ma shortlist. Si vous continuez comme ça, vous prendrez la tête de mon entreprise. Mais c'est une excellente nouvelle! J'ai hâte. Merci des moulins de rester fidèles à cette entreprise. Grâce à vous, on va atteindre des sommets.
On n'a pas encore fini. Mais c'est bien. Je suis fier de toi, mon petit salaud. Il n'en sera pas du tout rentable comme ça. Allez, on y va. On va leur donner une croissance de tous les diables et parasites actionnaires. Pour commencer, nous allons monter les objectifs à la hausse. Vous pouvez faire plus. On augmente les heures de travail. On réduira les salaires si vous ne parvenez pas à vos objectifs hebdomadaires. Faites votre maximum. C'est bientôt le bilan commercial. Bien, bien ligne droite. On va sortir ce jeu. Monsieur, on l'a fait. Nous sommes la première société française. Laissez-moi, s'il vous plaît. Plus qu'à écraser l'Europe tout entière. Thank you.
s'occuper là. Bon salaud. Tu voulais t'aimer, c'est ça? Des sous-fifres comme toi resteront des incapables toute leur vie. Je connais cette situation. Nous sommes pareils, en fait. J'étais comme toi autrefois. J'avais un rêve. Vous foutez pas de ma gueule. Vous savez très bien pourquoi je suis là. Tu trouves que le travail est trop conséquent? Mais vous, vous foutez vraiment de ma gueule. Vous savez tout ce que j'ai dû faire pour arriver là, pour être ne serait-ce qu'écouter un peu. Tu aurais pu te contenter d'envoyer un mail au RH? C'est pas humain. Il y en a qui ont divorcé, qui voient plus leur gosse. Je sens mes forces me quitter. Que voulais-tu faire de ta vie? Je voulais créer des jeux vidéo, qu'on puisse y jouer, ressentir des choses devant. Mais la putain d'industrie du divertissement sointe le sang des créatifs qui y travaillent. C'est donc cela ton rêve? Oui. Alors pourquoi te plains-tu? Tu réalises ton rêve? Oui, mais ce n'est pas de ça. Tu te rends compte du nombre de personnes qui ne mangent pas grâce à leur passion? Et toi, tu te plains? 100 heures. 100 par semaine. Et alors? Tu n'aimes pas ce que tu fais? Tu préférerais aller bosser chez EA, Blizzard, Ubisoft, pondre la même infection insipide tous les ans? J'aime ce que je fais. Mais c'est pas une raison pour qu'un parasite comme vous récolte des bénéfices sur notre imaginaire. Un parasite? Tu t'entends parler? Tu ne trouves pas que je prends des risques? Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. J'étais comme toi avant. Je réalisais mon rêve. Mais j'ai dû y renoncer. Il faut bien que quelqu'un fasse vivre ce jeu vidéo. Tu l'aurais, toi, abandonné ta passion? Mais on parle pas de putain de ça! Et tu viens m'enquiquiner, alors que t'es juste dans une mauvaise passe. Relève-toi, avance tout droit, et t'auras même une augmentation. Je... Mais je comprends tout à fait ta douleur, mais sincèrement, ce n'est pas avec des bons sentiments qu'on va finir nos petits chefs-d'œuvre. C'est ainsi, on travaille beaucoup, et c'est pareil dans tous les autres studios. Excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça par rapport à mon rêve. Ce que je veux faire, putain! Mon travail les rend heureux. Tu es tout pardonné. Pose ce pistolet. Je m'engage à t'augmenter, à te donner une promotion.
pensez vraiment pouvoir échapper au pouvoir? Subis le pouvoir. Ou sois son esclave. En l'appliquant. Ce n'est pas fini. C'est trop tard. Mais pourquoi ? Je ne suis pas spécial. Je ne pourrai jamais rien changer. Alors, à quoi bon essayer ? Autant saisir le pouvoir. C'est que j'étais juste aussi abject que les autres. Je voulais juste la richesse matérielle et le pouvoir. Et toi ? Te sentirais-tu intègre ? Peut-on vraiment refuser la lutte pour un monde moins souffrant ? Par peur de perdre ? Les puissants existent depuis la nuit des temps. On n'a jamais réussi à s'en débarrasser. Je suis sûr que si tu pouvais, tu choisirais de faire partie de cette caste. Si je pouvais choisir ? Je ferai en sorte de comprendre l'humanité tout entière et d'être en symbiose avec ses joies et ses souffrances. Quand tu vois un humain sourire, comment peux-tu te dire « Je serai au-dessus de lui, depuis les hauteurs des colisées bureaucratiques. Je l'écraserai si cet acte me permet de ne pas être écrasé à mon tour. » L'humain est un animal libre. Nul ne devrait le dresser à besoin. C'est ce que beaucoup de ces animaux oublient. Quand tu vois un humain sourire, qu'est-ce qui anime ce sourire ? La joie ? Le bonheur ? Les rêves ? Ou le poids d'une ambition malsaine ? Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas assez fort. On ne vit pas d'idéalisme. Mais qui a déjà essayé ? Personne n'est assez fort. C'est pour ça que nous sommes des millions à s'attendre.